J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une Porsche 911 Turbo retouchée par Top Car et rebaptisée Stinger GTR. C'est la seconde génération. Elle a un kit de carrosserie assez impressionnant, intégralement en carbone, et ça coûte à peu près 40 000 euros pour l'installer. En option, on peut rajouter des modifications sur l'intérieur et puis ajouter de la puissance au moteur pour la porter à 750 chevaux. On peut rajouter également un nouveau système d'échappement, à savoir que Top Car a un partenariat avec Capristo, et puis deux nouveaux freins. Sur la nôtre, on a choisi de ne pas modifier la motorisation, mais par contre, on a l'échappement Capristo, donc j'ai vraiment hâte d'entendre ça. On va d'abord filmer le démarrage et puis ensuite, on monte à bord. C'est parti! Les bruits de post-combustion de l'échappement Capristo sont vraiment exceptionnels. Limite la liquéfaction dans le siège. En conclusion, en termes de sensations, on est exactement pareil qu'une 911 Turbo classique, du moins pour notre modèle d'essai, puisqu'on n'a pas opté pour une modification de la motorisation. Évidemment, si on augmente la puissance à 750 chevaux, ça sera totalement différent. Et puis, pour l'échappement Capristo, c'est vraiment phénoménal. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao !